Alors, on va démarrer la formation en se basant sur un document qui contient déjà des éléments, des images, du texte. Et vous allez pouvoir télécharger ce document à cette adresse. Il suffit de taper ceci dans l'URL de votre navigateur et vous devriez avoir la possibilité donc de télécharger un fichier zip qu'il faudra dézipper sur le disque dur. Une fois qu'il sera téléchargé sur votre disque dur, vous le dézippez sur le Mac en double-cliquant sur lui, sur le PC, en faisant clic droit sur le zip et en demandant extraire. Sur le PC, double-cliquer sur le zip ne suffit pas, ça ne décompresse pas, les fichiers sont inutilisables. Il faut vraiment sur le PC faire un clic droit extraire. Tandis que sur le Mac, un simple double-clic sur le zip le décompresse, un dossier se crée à côté et là-dedans, il y a les documents qu'on va utiliser pour démarrer la formation. Cette adresse URL est un raccourci, c'est une version simplifiée de cette adresse plus longue en fait. Si vous tapez cette adresse plus longue dans votre navigateur web, ça va vous proposer la même chose.